sincères voient notre monde qui l'heure est grave. L'heure est grave, nous sommes à un mois du week-end Miséricorde et Mission. Alors, j'ai été spécialement pour vous faire le tour de tous les membres de la communauté, voir ce que eux, ils attendaient de ce week-end. C'est comme dans toute belle histoire, il faut maintenir la flamme. C'est pour maintenir la flamme d'amitié, la flamme missionnaire, la flamme de prière, de camp space. Et pour ça, bientôt, nous pourrons tous à Toulon partager avec les missionnaires, les enfin, tant de missions, louange, plein de choses, mystères, surprises, mais qui vont être excellentes. Alors, Médéric, est-ce que tu seras au week-end Miséricorde et Mission? Ah, bien entendu. C'est le rendez-vous essentiel à ne pas manquer, par exemple. Mais qu'est-ce que j'ai envie de te demander? Qu'est-ce que finalement il se passe dans un week-end Miséricorde et Mission? C'est à la fois facile et difficile à dire, parce qu'il se passe ce que notre tout événement d'église, c'est-à-dire que nous allons devant des gens pour leur annoncer la parole de Dieu. Mais en même temps, vu que c'est l'Esprit Saint qui agit, on ne sait jamais ce qui va se passer, il peut toujours y avoir des choses incroyables. C'est ça qui fait que moi j'ai toujours envie d'y aller. Donc en fait, il faut venir pour voir. Je pense que lui, c'est ça. Il n'y a que ça à dire. Venez pour voir. Il fallait à ce témoignage une personne rabat-joie. Je l'ai trouvé. Elle est ici. Alors, oh, tiens, l'abbé Martin. Chère membre de SPES. Alors, Martin, le week-end Miséricorde et Mission, c'est un week-end où on dort pas. Un week-end au soleil déjà. Parce qu'à Paris, il ne fait pas très beau, il fait froid, c'est un week-end au chaud, avec les missionnaires de la Miséricorde. Donc maintenant vous en savez plus sur le week-end Miséricorde et Mission, et je suis sûr, vous n'allez pas le louper. Va s'afficher sous l'écran, juste là, une petite bande pour vous redonner l'adresse à laquelle on peut s'inscrire, puisqu'il faut s'inscrire. Si vous voulez recevoir beaucoup d'amour, il faut qu'on puisse prévoir tout ça. Donc vous nous dites à combien vous venez, combien de cars, combien de bus, combien d'avions, combien de trains, et nous on s'organise. On organise ici, alors n'espérez pas un logement 3 étoiles, hein. Ce sera par terre. Donc salle de couchage, on prend son petit matelas mousse, et on prévoit pas la vie de château. Mais énormément d'amour, ça c'est sûr. Alors, à très très bientôt pour le week-end Miséricorde et Mission. Embrasser, réchauffer les cœurs illuminés, envoie ton feu, Seigneur. Chaque été depuis plus de 10 ans, j'emmène en Israël et en Palestine, en Terre Sainte, des jeunes et des moins jeunes, des étudiants et des lycéens, des jeunes professionnels, pour découvrir la Bible et le Christ sur cette terre magnifique. Décollage pour traverser l'Europe et la Méditerranée. Une occasion encore de prier pour nos familles, avec cette sainte famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Arrivé à Bethléem, nous découvrons la basilique par sa plus grande porte. Vénération de ce lieu où Jésus est né. Méditation sur le mystère de l'incarnation. Bethléem est en territoire palestinien. Shalom alach mitaname. Nous avons la chance de loger à la maison d'Abraham, ce qui nous permet d'avoir ce merveilleux paysage matin et soir de la ville de Jérusalem. Nous pouvons célébrer la messe face à Jérusalem. Pendant plusieurs jours, nous allons prendre possession de la vieille ville de Jérusalem. Une occasion pour nous de beaucoup de découvertes. Ce pèlerinage 2013 en Terre Sainte aura été encore une fois magnifique. Merci à toutes et à tous de nous avoir permis de vivre ensemble ce grand moment de vie.
parce que la lèpre touche encore 1 million de personnes dans le monde. Parce que chaque année, 230 000 personnes contractent la maladie. Parce que la lèpre frappe les plus pauvres. Parce que les malades souffrent dans leur chair et d'être exclus. Parce que si elle est dépistée à temps, la lèpre se soigne sans laisser de séquelles. Parce que le traitement existe et que tous les malades devraient y avoir accès. Parce que tous ensemble, nous pouvons faire avancer la cause des malades et reculer la maladie. Mobilisons-nous pour vaincre la lèpre. Fondation Raoul Follereau.